Bonjour les amis, après cette production musicale un petit peu mystérieuse, écrite par mon ami Serge Prokofiev, eh bien je vais vous proposer un sujet qui vous paraîtra peut-être aussi un petit peu mystérieux. Il va être question de mesurer le champ magnétique à la surface de notre étoile, le Soleil, rien moins que ça, un vaste sujet. Alors le champ magnétique, vous le connaissez, hein, il baigne un peu tout l'univers d'abord, puis on le connaît sur Terre, hein, il suffit de prendre une boussole hein, pour pouvoir s'orienter. Alors là, il s'agit de lignes de force magnétique qui nous joignent les pôles nord et sud de la Terre, et puis donc l'aiguille de la boussole ben, donne l'orientation de ces lignes de force, et l'on nous oriente. Quand il est question du Soleil, c'est plus compliqué parce qu'on ne va pas mettre une boussole évidemment pour observer. Il va falloir utiliser une instrumentation spécifique qui va être l'objet donc au niveau de sa description de cette vidéo. Alors un petit mot quand même sur le champ magnétique solaire pour dire que ben, il est particulièrement important pour comprendre tout ce qui se passe à la surface du Soleil. Si on voit des protubérances qui s'échappent de la surface solaire, hein, qui forment des espèces d'arches, si on voit des taches noires à la surface du Soleil, eh bien, c'est la manifestation du champ magnétique solaire. Quand on voit aussi des éruptions dites solaires, qui sont très violentes, très rapides, eh bien, c'est une libération d'énergie magnétique subite, dont on voit les conséquences jusqu'à la Terre. Hein. On peut voir des perturbations électromagnétiques, etc. Donc, c'est quelque chose de très important parce que ça module vraiment tout ce que l'on peut observer sur le Soleil. Donc, ce champ magnétique, eh ben, on ne le voit pas directement, on en voit ses conséquences. Mais ce que je vous propose ici, dans cette vidéo, c'est de bien le mettre en évidence, comme on le met en évidence quand on fait bouger la boussole, qu'on voit l'aiguille se déplacer. Un mot sur la valeur du champ magnétique que l'on peut observer à la surface du Soleil. Alors, l'unité de mesure du champ magnétique, c'est le gauss. Donc, quand on est sur Terre, avec une boussole, on mesure des champs magnétiques de l'ordre de 0,5 gauss. Tous les phénomènes que je viens d'expliquer sur le Soleil, c'est plutôt des valeurs de 1000 à 2000 gauss, donc c'est beaucoup plus important. Cela dit, ce n'est pas non plus un champ magnétique considérable. Hein. Un simple aimant qui va permettre de fermer une porte, ce sera typiquement 100 gauss. Les aimants plus puissants qui ferment des portes de résidence, par exemple, on sera plutôt autour de 1000 gauss. Si vous allez faire un scanner avec un IRM, eh bien, vous allez avoir un champ magnétique qui va vous traverser votre corps plutôt de 20 000 gauss. Donc, vous voyez, les 1000 gauss du Soleil sont relativement faibles, pas négligeables, mais relativement faibles. Alors, évidemment, il ne va pas être question d'utiliser une boussole pour aller mesurer le champ magnétique solaire. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire. On va utiliser une instrumentation spécifique. Alors, il va falloir une lunette pour former une image du disque solaire, pour voir sa surface. Et puis, il va falloir un instrument que vous connaissez donc bien pour la plupart d'entre vous. C'est le petit instrument Solex qui permet de faire des images dans différentes couleurs de la chromosphère solaire, de voir les protubérances. Donc voilà, c'est tout ce dont on va avoir besoin. Il y a une petite modification que je vais décrire dans cette vidéo, mais qui est vraiment très simple. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous avez un site internet hein, dans lequel vous avez toutes les explications, comment on fabrique cela avec son imprimante 3D, comment on a en règle, comment on l'utilise finalement, et comment on se fait plaisir pour observer le Soleil avec ce petit appareil. Et puis, il faut un deuxième équipement, mais qui est très simple aussi. Voilà, je suis en train de l'utiliser en ce moment. Regardez, oh, ce n'est pas très esthétique, hein. Ce sont des lunettes qu'on utilise pour voir dans les cinémas les films en 3D, en relief. Ce sont des lunettes dites de polarisation. On va utiliser le principe de la polarisation justement pour détecter le champ magnétique. Donc, ce n'est pas très esthétique, mais c'est très efficace et c'est surtout pas très cher. Hein, on utilise ça aussi pour certains postes de télévision, dits statiques, hein, pour voir les images en relief. Ça va vous coûter, c'est quasi gratuit dans les salles de cinéma, donc pensez à les récupérer à la sortie. Ça va vous coûter 1 ou 2 euros si vous achetez ça dans le commerce. Et on va récupérer en fait les éléments qui sont évidemment qu'on utilise pour mesurer le film entre guillemets en 3D, mais qu'on va utiliser pour le Soleil, pour faire ces observations. Donc voilà, c'est extrêmement simple,
extrêmement ludique finalement, un peu spectaculaire. Donc voilà, bah, écoutez, c'est parti. Alors pour mesurer le champ magnétique à la surface du Soleil, eh bien, la technique consiste à réaliser un spectre de la surface du Soleil. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de Starex, hein, qui va faire un spectre donc du Soleil. Il faut un spectre bien résolu, hein, bien fin. Je ne vous cache pas que Solex, au niveau de ses performances, c'est un peu juste. Mais bon, vous êtes très fort, très méticuleux, donc je suis sûr que vous allez y arriver comme je suis arrivé moi-même aussi, hein. Donc pas de souci par rapport à ça. Bon, bah, donc, qu'est-ce qui se passe finalement lorsqu'on observe un spectre, hein, quand il y a du champ magnétique à la surface du Soleil? S'il n'y a pas de champ magnétique, les points qui émettent de la lumière vont produire un spectre classique, un spectre de ray, d'absorption, sombre, très fine. Bon, une chose très classique. Si maintenant la partie d'où part la lumière est soumise à un champ magnétique, il va se passer quelque chose de très particulier. Les raies vont se dédoubler. Alors on va faire quelque chose de simple, hein. On va parler de ce qu'on appelle le champ magnétique longitudinal, c'est-à-dire les lignes de force qui sont dirigées vers vous. Alors soit vers vous, soit vers moi. Et là, ça va déterminer la polarité du champ magnétique. Polarité positive, polarité négative, pôle nord ou pôle sud. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, quand on observe ce champ longitudinal, les rayons spectraux doivent être de très très fins, deviennent des doublés en fait. Elles se séparent localement, là où le champ magnétique est particulièrement important, là où il est bien visible. Ce dédoublement est assez subtil, pour ça qu'il faut quand même un spectrographe performant. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Cet effet-là, c'est celui qu'on va mesurer, et c'est de lui dont on va extraire en fait la valeur du champ magnétique, et c'est avec lui qu'on va créer des images de la surface magnétique du Soleil, ce qu'on appelle des magnétogrammes. Donc ce n'est pas une mesure tout à fait directe du champ magnétique, il faut d'abord faire un spectre, analyser l'effet Zeeman, c'est-à-dire la séparation de ces rayons, mesurer la valeur de cet écartement, et puis ensuite en déduire une image du Soleil magnétique. Alors, toutes les raies du spectre solaire ne montrent pas l'effet Zeeman, ou sont plus ou moins sensibles à l'effet du champ magnétique. Il y a un coefficient qui détermine cette sensibilité, qu'on appelle le facteur de Landé. Et donc, il va falloir choisir les bonnes raies pour réaliser l'observation avec la meilleure résolution possible, le meilleur succès possible. Alors, pour faire la sélection, on tourne tout simplement la roue de Solex pour choisir dans le domaine spectral d'intérêt, la raie d'intérêt. Et puis travailler en faisant un scan du Soleil, un balayage du Soleil à l'intérieur de cette raie-là, en tout cas dans son voisinage. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors on peut sélectionner deux ou trois raies particulières, je vais vous les montrer, hein, d'accord, il faut savoir les reconnaître, mais avec un peu d'habitude, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. À vrai dire, on ne va pas mesurer que l'écartement de deux raies. C'est possible, mais ça va être un petit peu insuffisant en particulier. Ça ne va pas nous donner le signe de la polarité du champ magnétique, ce qui est quand même une information importante pour faire de la bonne observation solaire. Et puis, ce n'est pas une mesure si facile que ça à réaliser. Encore une fois, l'écartement est vraiment subtil. Pour pouvoir travailler correctement, on va utiliser une propriété de l'effet Zeeman. Quand on regarde nos deux raies séparées, enfin les deux composantes séparées, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ont une polarisation qui est différente. Alors, c'est quoi la polarisation en fait? Parce que ça va être encore un élément crucial. C'est pour ça qu'on va besoin de nos fameuses lunettes. Quand on parle de lumière polarisée, il est question en fait d'une onde lumineuse qui vibre, vous savez, une période avec une certaine longueur d'onde. Si on regarde la lumière qui arrive de face et qu'on regarde cette onde, on s'aperçoit qu'elle vibre dans un plan. En fait, il y a deux plans. Il y a un plan dit électromagnétique et il y a un plan dit électrique. Dans une lumière polarisée, ces deux plans, alors on va prendre le plan électrique par exemple, eh bien, il est fixe en direction. Quand on regarde l'onde, elle vous arrive sur la figure et ce plan de vibration, il est orienté et constant dans une certaine direction. Il peut être orienté comme ça, il peut être orienté comme ça, il peut être orienté comme ça, etc. Mais il est orienté dans une position fixe.
On appelle cela la polarisation linéaire ou rectiligne. C'est quand la polarisation est vraiment comme ceci, très tranchée, on parle de polarisation totale, hein, ou à 100% de la lumière. Et puis, il y a une autre polarisation qui est un peu plus subtile, qui concerne en fait le fait que, en fonction du temps qui s'écoule, eh bien, l'onde lumineuse, au lieu d'avoir un plan de polarisation constant, eh bien, tourne constamment et régulièrement, donc un phénomène circulaire, donc devant vous. Et ça tourne très vite, bien sûr, mais de manière régulière. Alors ça peut tourner dans un sens, ça peut tourner dans un autre sens. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple, ou dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et là, on parle de polarisation circulaire. C'est cette polarisation qui va nous intéresser dans les Fésimans, parce que lorsqu'on regarde nos composantes séparées, eh bien, l'une a une polarisation circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre a une polarisation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est capable d'isoler une seule polarisation, par exemple la polarisation dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, on va éteindre l'autre, et puis vice-versa, on va éteindre la précédente en faisant une polarisation inverse, en ayant un filtre qui va nous permettre de capturer uniquement la polarisation inverse. Alors justement, c'est ce que permet de faire ces lunettes. Ces lunettes sont sensibles à la polarisation circulaire. Il y en a une qui est sensible à une polarisation dans un sens, et l'autre qui est polarisée, sensible à la polarisation dans le sens inverse. Voilà, c'est le principe de la 3D. Quand on éclaire l'écran, avec des caméras qui ont été prises, en vérité, des prises de vue qui ont été faites avec des caméras distinctes, et qu'on projette ça sur l'écran de votre cinéma, eh bien, on s'arrange pour que la vue de droite soit polarisée dans un sens, la vue de gauche soit polarisée dans l'autre sens, et donc, comme cela, on voit le relief avec les deux yeux qui sont sensibles à l'une ou l'autre des polarisations. C'est le principe de la vision 3D. Et c'est exactement ce qu'on va faire sous le soleil. D'où l'utilité de ces lunettes. Alors, pour finir, sachez que si le vecteur champ électrique ne vibre pas dans un plan donné, ou s'il ne tourne pas régulièrement, à ce moment-là, en fait, ce plan, ben, il change tout le temps, très vite, de manière complètement aléatoire. Et à ce moment-là, on a affaire à une lumière dite non polarisée pour information, ou dite lumière naturelle, c'est l'état le plus classique d'ailleurs de la lumière. Dans le cas des Fésimans, la polarisation circulaire qu'on observe dans les deux composantes, eh bien, c'est une polarisation qui est avec de 100%. Hein, taux très élevé. Donc il n'y a pas de mélange entre polarisation naturelle et polarisation circulaire. Non, c'est une polarisation très tranchée qu'on va pouvoir voir avec nos petites lunettes. Mais au fait, qu'est-ce que l'on voit quand on observe le champ magnétique à la surface du Soleil? Quel est l'aspect des images? Pour cela, je vais vous montrer quelques images professionnelles faite avec des télescopes terrestres, le réseau Gong, qui est un réseau de télescopes qui est distribué tout autour de la Terre, qui observe le Soleil 24 heures sur 24, et notamment son champ magnétique. Et puis aussi des images de l'instrument HMI qui est monté sur un satellite qui tourne autour de la Terre, hein, le satellite DSO. Et puis je vous montre ces images-là pour vous donner l'aspect général de ce qu'on veut observer finalement avec notre instrument. Et puis je vous montrerai plus tard dans la vidéo des réalisations, donc évidemment, avec notre propre équipement.
Venons-en maintenant à un côté plus pratique, avec la description du fonctionnement de ces lunettes et comment on va les utiliser. Plus précisément, les surfaces optiques qui sont devant nos yeux, qui sont en fait du plastique, hein, d'une sorte d'acétate. Alors, rappelez-vous qu'il y en a un des verres ici qui va isoler une polarisation circulaire qui tourne dans un certain sens, et puis l'autre qui va isoler une polarisation circulaire qui tourne dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est un filtre, c'est-à-dire que si par hasard, la lumière qui arrive sur l'un des verres tourne dans le sens inverse de la transmission prévue, ben, la lumière s'éteint. Et puis vice-versa. Alors comment sont faits ces verres? En vérité, ce sont deux couches de plastique très fin. La première couche est appelée une lame quart d'onde qui a une propriété de retarder d'un quart de la période de l'onde sinusoïdale, d'un quart de sa période sur un plan par rapport au plan perpendiculaire. La seconde couche qui suit après derrière dans le sens de la lumière, c'est un filtre polarisant rectiligne, c'est-à-dire un filtre qui va vous permettre d'isoler un plan de polarisation rectiligne lorsque la lumière arrive, qui va l'éteindre ou qui va l'allumer, suivant que l'orientation du filtre est parallèle au plan de l'onde polarisée ou perpendiculaire à ce plan d'onde. Alors comment on fait pour isoler une polarisation circulaire avec nos deux composants, une lame quart d'onde et puis une lame polarisante rectiligne? Alors justement, cette lame polarisante rectiligne, elle a une certaine orientation et on s'arrange pour faire en sorte que la lame quart d'onde, enfin le plan de déphasage de la lame quart d'onde, soit à 45 degrés par rapport à la direction de polarisation rectiligne. Donc cet angle-là va permettre d'isoler une des polarisations, par exemple la polarisation qui tombe comme ceci. Si on veut isoler la polarisation inverse, eh bien, il suffit de mettre à moins 45 degrés par rapport à notre lame, à notre polariseur rectiligne. Voilà comment ça fonctionne. Donc on voit qu'il faut faire attention à l'orientation relative des composants. C'est ce qu'a fait le constructeur quand il a monté ces éléments-là. On ne le voit pas, mais il y a effectivement ces orientations dont je viens de parler qui sont respectées. D'ailleurs, on va voir tout de suite sur des petits exemples comment ces lunettes fonctionnent effectivement et comment on peut mettre en évidence effectivement les phénomènes de polarisation circulaire et de polarisation rectiligne de manière fort simple. Ce dont on a besoin, c'est un écran d'ordinateur. Alors, essayez de mettre un fond blanc et puis nos fameuses lunettes de cinéma 3D. Alors regardez, je les mets comme dans l'utilisation normale, les branches vers vous. Voilà, on les chausse comme cela. Maintenant, je vais tourner à 80 degrés de cette manière-là. Et là, regardez, ce qui se passe, c'est que l'écran devient noir à travers les lunettes, mais si je tourne à 80 degrés, l'écran s'illumine. Donc les filtres deviennent passants à la lumière. Et là, ils s'obscurcissent. Je tourne encore ici, ça redevient passant. Et puis ici, ça devient opaque à nouveau. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que le comportement de ces verres est complètement différent de celui qui est normalement utilisé. Rappel, ici, quand on travaille comme cela, on a d'abord une lame quart d'onde, hein, puis ensuite un filtre polarisant linéaire. Donc, et quand on tourne, et donc là on devient sensible à la polarisation circulaire, mais si on tourne à l'envers, enfin si on tourne comme ceci, eh bien cette fois-ci on devient sensible à la polarisation rectiligne. Et il se trouve justement que l'écran qu'on a ici polarise la lumière. Chaque point de l'écran envoie une lumière polarisée, par exemple avec un plan de polarisation comme ceci. Et suivant comment on tourne la lunette, eh bien on a effectivement du passant ou du non passant. Voilà. Alors, si je reviens dans l'utilisation normale, eh bien on a donc cette fois-ci
une pôle de sensibilité à la polarisation circulaire. Et si je tourne, regardez, en fait, l'écran reste toujours lumineux. Alors, on voit une petite variation de couleur. Elle est liée au fait que les filtres qu'on utilise ne sont pas parfaits. Le déphasage quart d'onde, on va dire de 45 degrés, n'est pas exactement de 45 degrés lorsqu'on est dans les couleurs extrêmes, c'est-à-dire dans le bleu profond ou le rouge profond, ce qui crée en fait ce qu'on appelle un phénomène de crosstalk dans le jargon, qui fait qu'on mesure en fait pas que la polarisation circulaire, mais aussi un petit peu de polarisation rectiligne. On appelle ça la polarisation elliptique. Et du coup, voilà, donc ça fait ces petits défauts. Mais en fait, pour nos observations solaires, qui vont se dérouler dans la partie verte, voire même la partie rouge parfois, ce phénomène n'est pas déterminant. Alors, le fait que la lumière, l'intensité change assez peu, oubliez le phénomène coloré, signifie simplement que cet écran-là envoie certes de la polarisation rectiligne, mais pas de polarisation circulaire. Voilà, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence avec nos lunettes, et on voit un petit peu le comportement suivant comment on oriente. Ici, sensibilité à la polarisation rectiligne. Ici, sensibilité à la polarisation circulaire. Alors, ceci fonctionne aussi sur un écran de télévision, hein. Vous pouvez mettre les lunettes comme ça ou comme ça. Toujours utilisé à l'envers par rapport à l'usage normal. Et donc, de cette manière, vous éteignez la lumière, vous allumez la lumière, donc on est sensible à la polarisation rectiligne envoyée par cet écran de télé. Alors, nous revoilà devant l'écran de l'ordinateur. Je vais prendre les lunettes, je vais les utiliser dans le sens anormal, je dirais, de telle manière à ce qu'effectivement les deux verres soient passants à la polarisation rectiligne de l'écran. Apparemment, entre le haut et le bas, il n'y a pas de différence. Maintenant, attention, il y a malgré tout un écart extrêmement important. C'est que, en vérité, la lumière qui sort ici et qui sort ici est une lumière polarisée, circulairement. Et plus précisément, la lumière qui sort de ce verre-là, de cet œil-là, eh bien, est polarisée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et la lumière qui sort de ce verre-là est polarisée dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, la preuve, c'est que je vais vous faire dépenser un peu d'argent, mais prenons une deuxième paire de lunettes de cinéma et mettons-les devant, ici. Regardez. Celle-ci, eh bien, sur l'œil gauche, j'éteins la lumière du haut. Ça veut dire que je bloque la polarisation circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si j'utilise le même œil, mais sur le verre du bas, hop, eh bien, cette fois-ci, je suis passant à la polarisation circulaire, mais qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, regardez maintenant, je vais prendre l'autre œil, l'œil droit, et là, c'est l'inverse. Regardez, hop, cette fois-ci, l'écran est lumineux lorsque je me mets dans cette disposition-là. Ça veut dire que je suis passant pour la polarisation circulaire qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si je me mets en bas, je deviens opaque. Donc, vous voyez, ceci, transparent, opaque. Maintenant, je me mets en haut, opaque, transparent. Ce qui est clair, c'est qu'on a fabriqué ici un générateur de polarisation circulaire, tout simplement, et que ici on a un analyseur de la polarisation circulaire. Et donc, c'est grâce à ce dispositif que l'on va pouvoir éteindre ou allumer nos composantes Zeeman dans le spectre solaire pour détecter le champ magnétique. Alors, certains d'entre vous qui font de la photographie connaissent sûrement ce type d'accessoires. Ce sont des fils polarisants qu'on utilise devant les objectifs photographiques et ils permettent par exemple d'assombrir le ciel par rapport aux nuages et de faire des effets spéciaux. Pas de problème. Alors, ils sont sensibles à la polarisation en fait rectiligne, mais pas circulaire. Contrairement à ce qui est écrit ici, le C est trompeur en réalité. On vous dit circulaire, on se dit ouais, bon, ça va être sensible à la polarisation circulaire. C'est pas du tout comme cela que ça fonctionne. Je vais essayer de vous montrer comment cela se passe. Alors voici notre filtre photographique. Alors on l'utilise normalement avec le filetage, par exemple ici de ce côté-là. L'optique photographique est là. Et là, le paysage, la lumière du paysage arrive par ce côté-là. Si je mets ça devant l'écran de l'ordinateur et que je tourne, eh bien effectivement, je mets en évidence la polarisation de l'écran d'ordinateur. C'est le but recherché. Par exemple, assombrir la diffusion de Rayleigh du ciel bleu, du ciel, par rapport aux nuages qui, eux, polarisent beaucoup moins. Donc c'est le principe d'utilisation de ces filtres. Mais attention, si je mets maintenant mes lunettes d'analyse de cinéma, en fait, regardez ici, sur l'œil gauche, eh bien, je coupe la lumière, et sur l'œil droit, eh bien, je l'allume. Ça devient transparent. Ce qui signifie, en fait, parce que j'ai mon analyseur ici de lumière
polarisé circulairement, ce qui signifie que ce qui sort du filtre est polarisé dans un certain sens, dans une certaine orientation. Et donc, en fait, quand on parle de feed polarisant circulaire, ce n'est pas un feed sensible à la polarisation circulaire en tant que tel, il est sensible à la polarisation linéaire, mais ce qui sort, en fait, est polarisé circulairement. Et ça permet effectivement d'avoir moins de perturbations avec les éléments optiques qui suivent derrière dans l'appareil photo, et il y a moins de perturbations par rapport à la mesure du flux lumineux pour faire justement, par exemple, du temps de pose. Alors ce type de filtre est constitué, comme je l'ai montré, strictement pareil, d'un composite d'une lame quart d'onde qui déphase dans un plan à 45 degrés du plan de polarisation d'un filtre linéaire qui est associé. Donc on a bien la sensibilité ici à la polarisation quand on le tourne, linéaire quand on le tourne ici, mais si je tourne à l'envers le filtre, donc c'est l'usage qui n'est pas du tout normal, on est sensible à la polarisation circulaire, mais comme l'écran n'est pas polarisé circulairement, eh bien on voit qu'un effet coloré comme tout à l'heure, donc on a le même comportement qu'avec nos lunettes de vision 3D cinéma. En synthèse, malheureusement, les filtres de polarisation circulaire photographique pourraient être mis à l'avant de la lunette, mais ne marchent pas pour notre opération parce que il se trouve que la lame quart d'onde, son axe de déphasage et l'axe de polarisation du polariseur linéaire, elle est réglée à un angle, par exemple plus 45 degrés, mais malheureusement les deux sont collés et on ne peut pas faire la moins 45 degrés. Donc on n'a que la moitié de l'information disponible. Donc ce n'est pas utilisable, il va falloir se construire notre filtre ou nos jeux de filtres, nos deux filtres à partir de lunettes 3D ou alors de composants que je vais montrer dans un instant. Donc pas utilisable si ce n'est quand même que c'est un joli générateur de lumière polarisée circulaire dans une direction seulement, mais c'est déjà pas mal et ça peut aider à faire de la mise au point pour les appareils que l'on veut constituer, donc notre petit polarimètre. Alors il est quand même possible avec des astuces de transformer le sens de rotation de polarisation circulaire à la sortie d'un tel filtre photographique. Regardez, donc je l'utilise dans le sens normal, le côté normal avec le filetage ici. Je regarde une feuille de papier et je mets mes lunettes 3D devant. Regardez, l'œil gauche coupe la lumière et l'œil droit laisse passer la lumière. Donc effectivement, il y a une polarisation circulaire qui est bloquée et l'autre qui est passante. Maintenant, je vais utiliser le même filtre, mais après réflexion sur la surface d'un miroir comme celui-ci. Alors, c'est pas très facile, mais je vais essayer. Voilà. Là, maintenant, ça devient passant sur l'œil gauche. Si je regarde, eh bien, ça devient bloquant sur l'autre œil. Et ça signifie quoi? Ça signifie que, eh bien, notre miroir se comporte comme, en fait, un déphaseur, lui aussi, comme la lame quart d'onde qu'on a mis à l'intérieur ici du filtre. Mais cette fois-ci, c'est une lame dite demi-onde, dont la propriété est de déphaser complètement la lumière, de façon à ce que la polarisation circulaire qui sort ici soit inversée, sens gauche avant et sens droit après. Alors, évidemment, un dispositif comme celui-ci n'est pas du tout commode pour observer les deux composantes Zeeman au foyer d'une lunette. C'est très complexe. Du coup, il va falloir utiliser effectivement deux filtres distincts qui sont offerts par ces lunettes pas très très chères, ici de manière quasiment gracieuse, effectivement. Une expérience amusante à faire, c'est de se mettre les lunettes 3D et de se regarder dans un miroir et de clignoter les yeux. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Vous allez éteindre votre visage d'un côté ou de l'autre. En fait, pour comprendre la situation, il faut se rappeler que la lumière qui part de votre œil traverse donc les verres à l'envers, vont subir une polarisation circulaire, vont tomber sur le miroir qui va faire une polarisation circulaire mais inversée, et ça va tomber sur l'autre œil. Bon, alors, quand vous analysez un petit peu ça, vous faites un petit dessin, vous allez voir que vous allez obtenir un clignotement assez particulier sur votre visage. Encore un mot sur les écrans. Tout à l'heure, on a vu un écran de PC avec une belle polarisation rectiligne, mais tous les écrans ne sont pas identiques. Regardez ici, on a un écran type OLED. Si je mets
Les lunettes de cinéma 3D, ben, on s'aperçoit qu'il y a l'œil gauche est éteint, l'œil droit est allumé. Donc ce qui sort de l'écran, c'est une authentique polarisation circulaire. Donc tous les écrans donc, sont pas identiques, attention à ça, hein. Et donc ben, faites attention aussi donc à l'interprétation de vos expériences, bien sûr. Alors vous pouvez construire vous-même votre filtre à sensibilité à la polarisation circulaire en utilisant des composants, chez, par exemple chez Optique. Edmund Optics, pas très cher en fait, et puis c'est assez efficace aussi, hein, c'est de très très bonne qualité. Par exemple ici, vous avez un filtre polarisant, donc, sensible à la polarisation rectiligne. Vous voyez la forme que ça a. C'est sur un support en plastique, un acétate. On peut le découper avec une paire de ciseaux, hein, et lui donner la forme que l'on veut. Oui, c'est très très commode, très facile. Notez que ben, ça absorbe quand même un petit peu de lumière, hein, la moitié à peu près. Même quand on est en présence de lumière non polarisée, hein, ça va atténuer la lumière du soleil. Bon, il y a de la lumière en abondance, donc il n'y a pas trop trop de problèmes ici. Et puis, il faut aussi une lame quart d'onde. Hein, donc ici, voilà, alors que c'est très transparent par contre ici. Très fin, toujours pareil, toujours redécoupé au ciseau. Et il faut l'orienter correctement par rapport aux axes du filtre polarisant qui sont orthogonaux. Donc ça c'est un peu la difficulté. C'est pour ça que c'est très utile d'avoir des générateurs de polarisation. On a vu tout à l'heure avec par exemple eh bien, notre filtre PLC photographique ou même un écran OLED. Ça peut toujours servir pour bien aligner en fait tous ces éléments-là. Remarquez qu'il y a une pellicule de chaque côté, qui protège les surfaces. C'est pareil ici. Hein. Pas facile à enlever d'ailleurs, mais elle protège les surfaces. Donc ça donne un aspect un peu flou. Hein. C'est parce qu'il y a cette pellicule ici. Il faut la retirer évidemment pour l'utilisation des filtres. Hein. Bon, voilà. Sinon, ben, voilà, vous avez un petit kit ici, pas cher, qui vous permet de faire l'équivalent des lunettes 3D. À présent, si vous ne voulez pas trop vous embêter à acheter les composants, à les monter, les régler, essayez de pas vous tromper. Ben, vous pouvez utiliser directement les lunettes 3D. On va voir qu'on peut facilement donc démonter les verres qui sont sur les deux yeux et donc ça nous fait directement nos filtres polarisants immédiatement utilisables. Alors voici nos lunettes 3D. Ben, on va réaliser une opération chirurgicale dessus. Ben, elle consiste simplement à découper au cutter les films plastiques hein, qui constituent les filtres. Ou alors, on peut essayer de les sortir en les dessertissant, en appuyant fortement sur les côtés. Et puis ensuite, on découpe au ciseau, toujours pareil, la forme qui nous intéresse. On essaie de bien respecter les directions initiales qu'il y avait dans la monture des lunettes, sur la découpe. Comme ça, c'est plus facile après derrière à intégrer. On a déjà les axes en fait, de polarisation déjà prédéfinis, ce qui peut toujours être pratique pour faire des contrôles. Alors nous voici devant à nouveau notre écran d'ordinateur avec sa polarisation rectiligne et puis l'un des deux filtres qui a été extrait de nos lunettes 3D. Alors, une question se pose, dans quel sens il faut le monter? On a vu que le comportement est très différent. Eh bien, regardez, je vais tourner le filtre ici et vous voyez que ça s'allume, ça s'éteint. Donc, ça veut dire qu'on est sensible à la polarisation linéaire. Donc, c'est surtout pas comme ça qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler de cette manière-là en tournant le filtre. Et quand on tourne, alors on a un effet de couleur, mais ça, ne vous affolez pas, c'est pas critique dans cette affaire-là. Et donc, on voit qu'on n'atténue pas très significativement, à part encore une fois la couleur, la luminosité de l'écran. Donc, on mesure bien finalement la polarisation circulaire ici. Donc, la lumière va arriver de l'écran, donc c'est la lumière solaire par exemple ici, hein, et puis on va aller se diriger vers nous, vers le spectrographe. On réalise la même opération avec le second verre d'œil. Voilà, on vérifie l'orientation. Et puis, avec un énorme avantage, c'est que l'on sait que l'un est sensible à la polarisation circulaire gauche et l'autre à la polarisation circulaire droite. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on a tous nos éléments pour construire notre polarimètre et mesurer le champ magnétique solaire. C'est pas plus compliqué. Il y a tout de même un travail mécanique à faire, une impression 3D. C'est pas très difficile et c'est une modification vraiment mineure de Solex. Alors, le filtre qu'on a ici, eh bien, on va pas pouvoir le monter devant la lunette, c'est impossible, vous voyez, il n'est pas plat, ça va créer des aberrations optiques importantes, ça va détériorer
carrément l'image du soleil qui va se former à l'entrée de notre instrument. Donc pour ça, ben, pour éviter cela, il faut vraiment le mettre tout près de la fente, à quelques millimètres. De cette manière, les rayons qui arrivent sur le filtre ben, d'un point du soleil occupent une très petite surface sur la surface du filtre, donc, et donc n'affectent pas vraiment significativement, même s'il y a des défauts, la qualité image. Alors voilà, bon, on va mettre effectivement le filtre. Alors on utilise pour ça un petit tiroir ici, hein, qui est ici, dans lequel on glisse notre filtre. Et voilà, donc la pièce à réaliser, c'est simplement une pièce supplémentaire qu'on interpose entre la partie interface vers le télescope et le reste de Solex. Alors cette pièce-là, bah, c'est une pièce 3D hein, qu'on a ici, très fine, très simple, avec une espèce de spatule aussi, hein, d'accord, et ça constitue un tiroir, et on glisse l'un à l'autre. Voilà, les quatre trous ici sont les trous standards qui permettent de faire le montage classique sur Solex. Donc cette pièce-là et ces deux pièces-là sont à réaliser. En fait, il y a deux pièces comme celle-ci, puisqu'on va avoir deux filtres. L'un qui va polariser, qui va capter la polarisation circulaire dans un sens, l'autre dans l'autre. Voilà. Et puis, l'opération qui va être aussi nécessaire, c'est de monter le filtre, enfin, les filtres, sur chacune des spatules ici. Hein. Alors moi j'utilise simplement du scotch, hein, du scotch Kapton. Je recommande vraiment le Kapton parce que c'est un ruban adhésif très efficace, scientifique. On l'utilise pour le spatial, par exemple, pour coller les éléments dans les satellites. Alors, ben, on s'arrange pour bien mettre les axes de polarisation rectiligne, en fait, et je vais y revenir, de telle manière à ce qu'on soit bien parallèle à cette ligne ici de support du filtre. Et puis, on fait la même chose pour l'autre polarisation circulaire, ici. Voilà, et donc, on a achevé notre affaire. Alors, ces pièces-là, ben, on peut les imprimer, bien sûr. Vous allez sur le site internet de Solex et vous allez avoir les références de ces pièces au travers de fichiers STL que vous pouvez télécharger. Je vous donne le lien par ailleurs. On revient sur notre écran, décidément bien utilisé. Alors, regardez, on va mettre notre petit montage de filtre devant. Et puis, je vais tourner le montage. Alors là, je me suis orienté de telle manière à pouvoir mesurer la polarisation rectiligne. Et si je tourne de 90 degrés, hop, j'allume. Si je tourne comme ceci, j'éteins. Et remarquez que l'extinction se produit lorsque l'axe mécanique ici du support de filtre est bien horizontal par rapport, en tout cas parallèle, au bord de l'écran. C'est très important de respecter ça. On fait la même chose pour notre deuxième filtre. Ici, on tourne, on est bien horizontal, donc le filtre a bien été monté. Alors on suppose ici que la polarisation est comme ça ou comme ça, rectiligne. Alors justement, là il y a une ambiguïté, parce qu'il restera encore une chose à faire, que je vais vous montrer tout de suite, et qui est particulièrement importante, parce qu'elle concerne cette fois-ci le rendement général de notre système par rapport à Solex. Vous allez voir ça tout de suite. Pour tout dire, un tel filtre peut se monter à la fois comme cela ou 90 degrés comme ceci. Ça ne fera pas de différence lorsqu'on veut mesurer la polarisation circulaire, c'est-à-dire que la lame quart d'onde est visible en premier par rapport à la lumière incidente. Donc, que choisir finalement? Alors, le critère important pour dire ben, j'oriente comme ça le filtre monté dans sa spatule ou à 90 degrés, eh bien, c'est d'utiliser Solex. De telle manière à ce que lorsque l'on monte le fil dans son tiroir, on ait le maximum de lumière qui arrive jusqu'à la caméra qui est ici. Pourquoi? Parce que le Solex, en fait, ça se comporte comme un polariseur aussi, polariseur rectiligne. Si par malheur, l'axe de polarisation du filtre est croisé par rapport à l'axe de polarisation du spectrographe, Solex, la polarisation est pour l'essentiel liée au réseau hein, diffraction, eh bien, on va considérablement atténuer la lumière. En gros, vous allez n'avoir que 15% de la lumière incidente qui va arriver jusqu'au détecteur. Par contre, si vous travaillez dans la bonne direction, ben, vous aurez un maximum de signal. Donc en fait, pour bien choisir l'orientation du filtre par rapport à son support, il faut faire ce test en alimentant la caméra, en visant par exemple un fond de ciel bleu comme ceci, en montant le filtre d'un côté,
dans une direction, et puis tester le flux qui arrive, et puis regarder avec une inversion à 90 degrés du montage du filtre, pour voir si le flux a augmenté ou diminué. Évidemment, la bonne orientation sera celle qui correspondra au flux maximum qui arrive sur le capteur. Donc ça, c'est peut-être un réglage le plus subtil, hein, qui est lié en fait à la polarisation couplée du spectrographe avec celle qui sort linéaire du filtre quand on a la bonne disposition. Il faut vraiment que les plans de polarisation de l'un et de l'autre soient parallèles pour avoir le maximum de signal sur le capteur. Voilà, nous avons achevé notre travail de montage. Le filtre peut être mis en place devant la fente. Alors vous avez compris qu'il va falloir faire deux acquisitions, hein, l'une avec le filtre qui isole la polarisation circulaire gauche et l'autre qui va isoler la polarisation circulaire droite. Mais ce sont des acquisitions tout à fait standard, tout à fait banal, hein, par rapport à celle qu'on fait avec Solex. C'est ce que vous faites quand vous pointez, par exemple, la RH alpha. Maintenant, c'est pas la RH alpha qu'on va viser, c'est une raie qui est sensible au champ magnétique. Donc la plus sensible possible, et puis aussi bien isolée de ses voisines, et pour pouvoir, disons, faire un dépouillement efficace et simple. Alors, on va voir ça maintenant. Alors voici une sélection de raies qu'on peut utiliser pour mesurer le champ magnétique. Donc en fait, des raies qui sont fortement sensibles à la valeur du champ magnétique. Par exemple ici, une raie à 5250 angstrom, avec un facteur de Landé de 3. Alors le facteur de Landé, ça caractérise justement cette sensibilité, je le rappelle. 3, c'est vraiment la valeur maximale possible, hein, en parenthèse. Et malheureusement, cette raie, elle est polluée par des voisines qui sont malheureusement pas bien séparées avec la résolution spectrale de Solex. Et donc finalement, on va rejeter cette région-là et cette raie-là. Une autre raie possible, intéressante, souvent utilisée, c'est une raie qui se trouve à 6302 angstrom, un facteur de Landé de 2,5 environ. Ça reste un facteur de Landé très élevé. Malheureusement, à côté, il y a une pollution liée à une raie de l'atmosphère terrestre, une raie dite tellurique associée à la vapeur d'eau, qui est une raie dont l'intensité est variable avec justement l'humidité de l'atmosphère terrestre. Et là encore, c'est une solution pas très correcte avec la résolution de Solex, même si on peut faire des choses, c'est quand même un petit peu problématique. Donc là encore, une raie qu'on utilise souvent dans les magnétomètres, mais pour nous, un peu délicate. Alors en fin de compte, on va se rabattre sur une raie qui se trouve à 6173 angstrom, une raie du fer, avec un facteur de Landé de 2,5. Et là, on voit que l'isolement est fort correct. La raie n'est pas extrêmement intense, malheureusement, mais cet isolement, ça va être notre critère de choix. Et donc, on va régler la route Solex pour centrer cette région du spectre. Solex est en place sur sa lunette. Donc ici, une Skywatcher 72ED. On voit le petit tiroir ici, l'ouverture, le porte-filtre, qui va donc pouvoir recevoir notre filtre polarisant circulaire. Je vais justement le mettre en place. Alors voilà. Alors attention, hein, au sens, hein, faut pas se tromper. Le comportement est vraiment très différent suivant l'orientation. Donc bien repérer cette chose-là. Il suffit de glisser dans le tiroir et voilà, on est prêt pour faire une première acquisition avec cette polarisation circulaire. Et puis, une fois que ce sera fait, on ne touche à rien d'autre que le retrait du filtre et la mise en place d'un second filtre. Voilà, je mets ici. Pour faire l'acquisition, cette fois-ci, avec la polarisation circulaire, mais qui va dans un sens opposé. La lunette est donc une Skywatcher 72ED. Alors, faut pas oublier de mettre évidemment un filtre à l'avant ici pour atténuer le flux. Regardez bien, c'est important, très important. On a ici une densité de 16. C'est le filtre classique en général recommandé dans cette configuration-là, un filtre Hoya. Si vous mettez un filtre qui a une densité moins élevée, densité 8 par exemple, eh bien le flux qui va arriver au foyer de la lunette va être tel que ça va finir par chauffer le filtre polarisant, qui est fait de plastique, et donc ça va faire en fait une détérioration de ce filtre très spectaculaire en fait, hein, quasiment en fait presque un trou à sa surface.
surface, c'est une surface absorbante et donc c'est assez problématique. Donc par exemple ici, évitez de mettre une densité de 8 hein, ou pire une densité de 4, et même avec une densité de 16, vous pouvez encore sécuriser. Alors ça marche très bien, mais vous pouvez avoir une garantie encore supérieure si vous ajoutez devant le coulant de Solex un filtre anti-infrarouge classique, hein, le filtre L qu'on utilise en photographie, ce qui va enlever encore plus de chaleur et donc sécuriser encore plus le système. Vous pouvez même utiliser un filtre rouge d'un système BVR pour observer donc aussi le ciel en couleur. Et donc le filtre R va très bien passer l'arrêt qui nous intéresse ici à 6573 Angström, et c'est encore plus efficace pour réaliser le filtrage. Nous sommes le 4 avril 2022 et nous allons observer le champ magnétique autour d'une région active du Soleil. Alors il y a une belle tache que vous pouvez voir sur le disque, un peu sur la droite, et on voit ce groupe. Et donc c'est particulièrement autour de lui que l'on va essayer d'étudier le champ magnétique. Alors on voit ici le spectre solaire avec une tache solaire qui passe donc sur la fente, c'est la tache principale que l'on a vue tout à l'heure. Donc beaucoup de raies spectrales, et puis celle qui nous intéresse, elle est un peu discrète, mais elle se situe exactement ici, là où je mets le pointeur de souris, à cet endroit-là. Donc elle est à peu près au centre du capteur, hein. On la voit bien ici. Je vais zoomer avec un grandissement de 100. Voilà, et puis cette fois-ci on voit cette raie-là, en fait, qui est ici. Alors évidemment, elle est un peu discrète, il faut la repérer par rapport au reste du spectre, il faut reconnaître ce motif. Si je balaye lentement le spectre solaire, le disque solaire sur la fente, eh bien je vais voir la granulation solaire qui défile sur la fente, et puis on voit d'autres taches qui apparaissent tout à côté. Pour mieux voir les choses, je vais d'abord passer en réduction de l'image au niveau du logiciel SharpCap. On voit l'image globale, alors je vais essayer de faire un scan. Alors attention, on ne va pas acquérir tout le spectre, ce serait beaucoup trop volumineux sur le disque, et surtout on ne pourrait pas acquérir à la vitesse que l'on souhaite pour réaliser un disque bien rond avec la vitesse 16 fois que je vais utiliser pour faire l'acquisition. Donc on va faire un fenêtrage, on va faire ce qu'on appelle un crop. Hein. Donc ici c'est un crop de 3088x100. Donc on voit qu'on a isolé qu'une petite partie du spectre solaire, mais attention, je ne suis pas centré sur notre raie du fer, et donc il va falloir bouger un petit peu l'image, alors dans le bon sens, il faut essayer de la retrouver. Attention, c'est une opération qui n'est pas évidente. Hein, voilà. Alors, je connais bien par cœur, on voit le petit groupe de 3 ici, et notre raie se trouve, bien c'est celle qui est ici, celle qui est juste au-dessus ici, voilà, où je mets la souris ici. Celle-là. Il ne faut pas la confondre avec d'autres, bien entendu. Donc on voit qu'elle est centrée par rapport à la fenêtre de 100 pixels de large, de haut ici plutôt. Et donc tout va bien pour faire l'acquisition. Donc je vais pouvoir faire le scanning. Alors pour faire cela, je vérifie bien que je suis à la vitesse 16 fois que je désire. Donc je suis à 4 fois, 16 fois. Là je vais piloter donc ma monture 10 microns avec un paddle virtuel ici. J'appuie sur le bouton Est à cet endroit-là. On va voir l'image du disque qui va défiler. Il va même sortir de la fente. Voilà, c'est sorti. Vous connaissez cette manœuvre. Je fais commencer la capture. Donc, une petite fenêtre s'affiche ici. J'appuie sur le bouton Start. Je suis en mode illimité, le nombre d'images acquises. C'est parti. Et j'appuie de l'autre côté sur le bouton West. Toujours à cette vitesse 16 fois. On voit la granulation. On voit la tache solaire qui va apparaître. Voilà, on est apparu très très vite. Et c'est terminé. J'ai déjà terminé. J'ai fait arrêter, il faut y penser. Sinon, on a qui est toujours en continu. Alors ici, un petit truc toujours, je pense à revenir vers le centre du disque pour voir où j'en suis, en fait, pour l'acquisition suivante. Voilà, ça a été assez rapide, comme on l'a vu. Donc, la durée d'acquisition est de l'ordre de 15 secondes, même un peu moins. Alors, on voit ici, la tache solaire principale qui est sur le disque actuellement. Ici, c'est l'arrêt à 6173
Armstrong du fer. Si on est un peu attentif, on va voir ici une petite courbure qui correspond effectivement à l'effet Zeeman, parce que j'ai mis un des filtres de polarisation circulaire. Si maintenant je balaye sur le côté gauche du soleil, je vais sortir de la tâche, la raie devient bien droite, mais il y a d'autres tâches qui apparaissent. Et donc il y a du champ magnétique là-dedans en fait, hein, mais on ne peut pas le voir très clairement encore sur ces images-là. Mais je balaye actuellement et on va voir d'autres petites tâches qui vont apparaître, qui forment le groupe. Voilà, voilà d'autres tâches. Voilà encore une autre, et ainsi de suite. Voilà, tout ça décrit le groupe actif qu'on est en train d'étudier actuellement. À présent, j'ai changé le filtre. J'ai mis une polarisation circulaire inversée. Et si on regarde bien la tâche, ici, toujours notre raie à 6573 Armstrong. Et on peut voir que la courbure, si on est bien attentif, ici, va vers le haut, alors que tout à l'heure, donc, elle était vers le bas. Donc, on a changé donc le sens de polarisation. On a isolé la deuxième composante Zeeman, donc, qui déforme la raie dans ce sens-là, compte tenu du champ magnétique qui est actuellement sur la tâche. Dans notre affaire, il y a quelque chose de très important, hein, c'est de bien faire la mise au point du spectre sur le détecteur, d'avoir les raies les plus fines possibles pour pouvoir effectivement bien voir cette séparation Zeeman. Donc bien faire la focalisation. Alors pour ça, vous pouvez vous aider de raies en zoomant fortement. Par exemple ici, ben, vous avez un petit détail qui me plaît bien, c'est de raies l'approche. Ben, c'est un bon critère de bien les séparer, bien sûr, et de les avoir les plus étroites possibles pour pouvoir effectivement extraire la meilleure information qui soit. Alors voici justement un exemple concret d'extraction des informations pour ensuite calculer le magnétogramme. Donc on a deux balayages, l'un correspondant à la polarisation circulaire droite et l'autre à la polarisation circulaire gauche. Pour chacun de ces balayages qu'on traite indépendamment, on extrait d'une part une image du soleil sur l'aile bleue de la raie du fer qui nous intéresse, et puis une autre image du soleil sur l'aile rouge de cette même raie. Et on fait la même chose pour le deuxième balayage correspondant à la polarisation circulaire gauche ici. On se retrouve en fin de compte avec quatre images du soleil et on réalise la différence des images bleues et rouges pour l'un des scans et des images bleues et rouges pour l'autre scan. Ça donne les deux documents qui sont visibles actuellement sur votre écran, avec beaucoup de choses à dire déjà sur ces deux représentations du soleil. Ce sont des images dites Doppler qui représentent le champ de vitesse radiale à la surface de photosphère, mais je vais surtout d'abord attirer votre attention sur les centres actifs qui se trouvent un petit peu sur la droite du centre du disque et vers le bas, et on voit des taches blanches et noires. Et bien ces taches noires et blanches, c'est le résultat de l'effet Zeeman, avec donc des régions qui montrent un décalage de la raie à droite ou à gauche suivant la valeur du champ magnétique, ce qui se traduit ici en image avec donc déjà une perception du champ magnétique. Alors on détaillera ça un petit peu mieux tout à l'heure. Je voudrais insister en effet sur d'abord cet aspect un peu pommelé de l'image, des images que vous voyez là. Il ne s'agit pas de défauts instrumentaux, ce sont des phénomènes bien réels dans ces images Doppler. Et elles traduisent en fait cette structure-là des vitesses de gaz radiales, qui se déroule donc à la surface solaire, dans la photosphère pour être précis, que ces images Doppler montrent ici parce que d'abord l'instrument est très sensible, notre petit instrument est très performant, et en même temps aussi parce que quand on fait les images dans la raie H alpha par exemple, eh bien ces phénomènes sont brouillés par ce qui se passe dans la chromosphère. Et donc ici, on a vraiment une vision très pure de ce qui se passe à la surface visible du Soleil. Et donc ce que l'on voit là, ce sont des cellules de convection, mais plutôt des espèces de tourbillons en surface, de grandes structures qu'on appelle donc macro-turbulence, et qu'on oppose un petit peu à la micro-turbulence, qui est celle que vous voyez lorsque vous faites des images à très haute résolution de la surface, qui ont des durées de vie très, très brèves. Ici, ce sont des durées de vie bien plus longues. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est les vitesses qui sont concernées, des vitesses de rotation qui sont concernées. Elles sont tangentielles à la surface du Soleil, elles ne font que l'ordre de 400 mètres par seconde, ce qui est tout petit. Encore une fois, ça montre aussi la capacité de notre instrument.
Alors, si vous êtes attentif, vous voyez qu'au centre, on ne voit rien. On ne voit pas la structure pomelée parce que, tout simplement, comme les vitesses sont horizontales, encore une fois, ce sont des tourbillons en surface, eh bien, au centre du disque, la vitesse radiale est nulle et elle augmente au fur et à mesure qu'on va vers le limbe. D'où cette structure un peu particulière, un pot d'orange, mais avec un gradient qui va du centre au bord. Alors, pour vous montrer que tout ceci n'est pas une vue de l'esprit, regardez, vous avez à gauche, une image faite avec l'instrument MDI qui équipe le satellite Sohou. C'est encore un doppelgramme qui montre très bien la structure pommelée avec l'annulation au centre de la vitesse radiale. Donc on a bien des phénomènes de vitesse tangentielle à la surface du Soleil. J'indique une référence d'article. Hein. Je vous recommande de lire si vous êtes intéressé par la macroturbulence solaire, aussi qu'on appelle la supergranulation solaire. À droite, vous avez l'image Solex. Alors ici, il s'agit de l'addition des images de polarisation circulaire gauche et droite pour annuler l'effet du champ magnétique et mieux voir finalement cette supergranulation, cette macroturbulence. J'indique en haut la durée de vie de 1 à 2 jours pour la supergranulation qui est très différente de la granulation habituelle hein, que l'on observe, la microturbulence avec des instruments de haute résolution. La durée de vie de la microturbulence est l'ordre de quelques minutes à quelques dizaines de minutes. Ici, on a affaire à des jours, hein, disons à 2 jours. Si vous faites par exemple un scan à un instant donné et puis vous le refaites, disons, 10 minutes après, vous allez avoir exactement la même forme sur le Soleil, hein, ce qui permet de faire des additions, etc. Mais aussi, ça permet aussi d'imaginer de coupler des observations faites par plusieurs observateurs, à la limite distribuées sur la surface de la Terre, pourquoi pas, avec Solex, bien entendu, et puis réaliser un film, une animation et une analyse qui, à mon avis, a une portée scientifique au-delà de l'aspect esthétique que ça peut avoir. Bref, voilà, un sous-produit de notre observation du champ magnétique, je la crois assez originale et qui est donc tout à fait accessible à vous aussi, bien sûr. Alors, je reviens sur le calcul du magnétogramme. On retrouve en haut nos deux images faites avec les filtres de polarisation circulaire droite et gauche. Donc, ce sont les images Zeeman. Et puis en bas, vous avez entouré l'équation qui permet de combiner ces images-là pour calculer le magnétogramme, le terme M. Et bien ce terme-là, pour l'obtenir, c'est simplement des additions et des soustractions d'images. Et il n'y a rien de bien compliqué, tout ça est assez simple. Le terme dénominateur est un terme de normalisation, c'est l'addition de toutes les images, par exemple, qu'on a acquises. Et donc, c'est ce jeu en fait de combinaison va permettre de révéler le champ magnétique avec sa polarisation positive ou négative. Donc, tout simplement, et donc avoir une vision très complète du champ magnétique solaire. Alors, si les opérations mathématiques sont vraiment simples, la manipulation de toutes ces images, et puis peut être assez rapidement, fastidieux. On peut se tromper, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de données qui ont été acquises, plusieurs scans qu'on veut moyenner. Donc évidemment, des outils ont été créés pour faciliter un peu votre travail. Je ne vais pas, dans cette vidéo qui est déjà très longue, détailler plus que cela, parce que ça fera l'objet sûrement d'une autre séquence. Sachez simplement qu'effectivement, dans INTI, on a créé des outils, comme je l'ai dit. Rappelez-vous de quelques fondamentaux. Comme bien préciser les paramètres géométriques pour toutes les séquences, il faut qu'ils soient identiques parce qu'on va devoir superposer plusieurs images. Ensuite, on va vouloir identifier la raie qui nous intéresse. Par exemple, ici, j'ai pris une raie qui est quand même relativement discrète. Elle peut se confondre avec des voisines. Et pour que INTI ne se trompe pas, il faut impérativement lui dire à peu près où se trouve cette raie dans l'image. Par exemple, ici, une coordonnée qu'on relève avec un logiciel. Et puis, par exemple, une position 20 qu'on rapporte ensuite dans un nouvel onglet de INTI que vous pouvez télécharger. À partir de la version 3.2 de INTI où cette fonction est disponible. Et donc, vous rapportez un certain nombre de paramètres dans cet onglet-là. Et en particulier, on va rapporter le paramètre de distorsion géométrique de la raie qui nous intéresse, une fois de plus. C'est parfois donc une raie discrète, il faut souvent identifier ces paramètres géométriques sur une raie qui se trouve à côté.
plus contrastée. Il faut rapporter les valeurs dans l'onglet. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Après, on doit effectivement déterminer l'effet Ziman que l'on veut réellement observer, c'est-à-dire plutôt la sensibilité de cet effet Ziman. Et donc, c'est l'écartement par rapport au cœur de l'arrêt où on va chercher en fait l'information Ziman de part et d'autre, le dédoublement. Ici, plus ou moins de pixels, on peut mettre même ici une valeur fractionnaire pour être très précis. Encore une fois, ce paramètre va ajuster un petit peu la sensibilité d'observation. Alors là, je suis en binning 1-1, plus ou moins de pixels de part et d'autre de l'arrêt central, enfin de la position centrale de l'arrêt va être tout à fait satisfaisant. Et puis pour finir, ben, on va devoir. Puisqu'on fait plusieurs images, les recentrer entre elles pour pouvoir les additionner et pour calculer en fin de compte le magnétogramme, c'est-à-dire réaliser la petite opération que j'ai montrée tout à l'heure, le paramètre M, le magnétogramme avec ses soustractions et additions. Évidemment, vous n'allez pas les faire vous-même, c'est le logiciel qui va travailler pour vous. Et à la fin, il va vous sortir effectivement cette image du magnétogramme et aussi une image du continuum solaire de la photosphère. Alors justement ici, vous avez à gauche l'image classique du Soleil. Et puis à droite, quelque chose qu'on ne voit vraiment pas à l'œil, le champ magnétique, donc avec ses structures particulières. Alors les parties blanches, ça correspond aux zones qui sont associées à un champ magnétique dispositif, à des lignes de force positives, et les parties noires, à un champ de force négatif. Donc on a un pôle magnétique. Alors on peut essayer de faire une comparaison avec l'instrument HMI qui équipe le satellite SDO. Comparaison un petit peu audacieuse parce que, quand même, HMI c'est sûrement un des instruments les plus puissants d'observation solaire et avec une très haute sensibilité. Et puis on voit à droite, donc pour le même moment, l'image Solex, on voit que c'est quand même assez corrélé. On retrouve les polarités du champ magnétique, on retrouve vraiment les mêmes structures, ce qui montre la preuve qu'effectivement on sait mesurer le champ magnétique avec Solex. Remarquez une chose, c'est que c'est typique, hein, c'est que les tâches, les groupes de tâches sont des systèmes bipolaires avec un champ magnétique positif et négatif, hein, par groupe de tâches. C'est intéressant de voir aussi qu'entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, la polarité du champ magnétique change, hein. C'est soit les groupes qui sont en avant qui sont positifs pour un hémisphère donné, et puis c'est l'inverse pour l'autre hémisphère. Donc tout ceci peut être révélé avec notre petit instrument. Et puis on voit ici un détail, bon, toujours un peu osé, mais l'image HMI à gauche et l'image Solex à droite qui montre une très bonne corrélation. Voilà, on arrive au bout du chemin, un chemin pas banal, hein, parce que on a fait quelque chose d'assez technique, assez pointu. Alors, quelques amateurs ont déjà mesuré le champ magnétique, ont fait de belles images de la surface solaire à magnétique, à des magnétogrammes. Ce sont de vrais pionniers, ils ont fait un travail formidable, mais ils avaient des instruments quand même plus volumineux que Solex. L'intérêt de Solex, évidemment, c'est qu'il y en a beaucoup. On peut multiplier les observations, on peut capturer des phénomènes particuliers, par exemple, faire le champ magnétique d'une éruption solaire. C'est quelque chose à faire. Et à comparer entre nous. Donc voilà, donc tout un travail réalisable. Et bien, comme j'ai l'habitude de le dire, ben, à vous de jouer.